Hey, bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, il fait gris. Aujourd'hui, on a choisi ce parking parce que la dernière fois, j'avais pas pris le GPS pour tester la Obao 10SC avec son nouveau moteur. Souvenez-vous, ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai roulé la Obao avec son nouveau moteur. Ça marchait fort. Par contre, le vario, il se mettait en coupure. Le ventilo, il marchait pas dessus. Donc j'avais pas de ventilo de la bonne taille, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste enlevé en fait le cache qu'il y a au-dessus, ça va l'aider à refroidir un petit peu plus. Mais le but de cette vidéo c'est de mettre le GPS en route et de voir à combien elle roule. Donc j'ai mis, tac, tu vois, là on va mettre en mode track, start, ok. Si je la fais avancer, hop, ça bouge. Donc le téléphone dans la poche et puis bah let's go. Allez, c'est parti. Donc on se met là parce qu'on a de la place. Celle-là va moins frotter. Je vous rappelle que ici j'avais testé la vitesse de pointe de la Rally du Swatcher. Et là, on va tester le Obao 10SC en 3S. Donc on a sur un moteur surface supersonique là, V2 je crois, ouais, ça doit être un V2 comme ça. Et là on est en 3S, 3800 kV, 36-65 le moteur. Souvenez-vous, avec le moteur que j'avais avant, le Ghoul RC, on prenait pas beaucoup. On était à 58 km/h. En 3S. Hein. Là, il y a plus de freins avec celui-là. Je sens que les éléments ils sont plus balèzes. Wow, 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 wow. Alors, il va bien hein, ce truc. Hein. On l'aime bien. Alors attends, je vais mettre la caméra sur la tête. Et on va checker ça tout de suite. Donc déjà, faut qu'il récupère. Faut qu'il récupère son Bluetooth. Voilà. Donc stop. Il commence à pleuvoir. Ah, je voulais mettre les plots et faire un peu finir un peu la batterie quand même, mais bon. S'il pleut, c'est mauvais. Alors, on est sur combien cette fois? 68. Bon, bah je crois que c'est 10 km/h de plus qu'avec le Ghoul RC. 68 km/h. Ah, ça manque encore un petit. Il manque 5 km/h, je dirais, pour moi, pour être bien. Pour être bien avec cette petite machine. Bon, c'est une 1/10, 68 km/h, c'est quand même costaud hein, déjà. Mais 5 km/h de plus serait pas mal. Donc je dirais peut-être une dent de plus sur le pignon, ça serait bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà. Donc là, il commence à tomber des gouttes. Je vais peut-être mettre un ou deux plots quand même, histoire de me faire plaisir là sur le petit parking et de vider la batterie. Donc peut-être à bientôt ou peut-être à tout de suite. Bon, il pleut, je me dis je vais pas mettre les plots, ça va pas le faire. On va rouler juste un petit peu comme ça à voir. Ce que je voudrais voir c'est est-ce que le vario il va se remettre en coupure ou pas. Est-ce que c'était bien une question de température? On essaie de pas rester accroché comme j'ai fait l'autre fois. Normalement j'ai relevé un petit peu l'avant. Ouh.
à les ouvriers qui sont intéressés là-bas. Il est sympa ce parking pour le rallye game, hein. Il est vraiment pas lisse. Bah, ça n'a pas l'air de chauffer là le Vario. Ça fait de la grande ligne droite, hein. En fait, ce qui chauffe aussi beaucoup, c'est accélérer, freiner, accélérer, freiner. On a beaucoup de freins là. Hein. Ça commence à être mouillé par terre. Faut que je règle sur le Vario pour avoir moins de freins. Ça mériterait pas un meilleur Vario. Tu vois, quand il n'y a pas de plot, hein, moi sur parking, je m'ennuie vite. Je vous l'ai déjà dit ça. C'est vite ennuyeux. Ennuyant, oula. Ouh! T'as vu un peu le saut? Oh. Incroyable. Bon, il fait moins chaud que l'autre fois et j'ai enlevé le ventilo qui était dessus. Du coup, le Vario il respire mieux là. Effectivement. Bon bah écoutez, ma foi ça a l'air bon, c'était bien un problème de chauffe que j'avais. La dernière fois il avait déjà coupé. Hein. J'avais redémarré plusieurs fois. Là il fait moins chaud dehors et il est découvert. Là, on le voit. Là, vous voyez là, déjà vous voyez qu'il pleut et vous voyez. Le Vario, on voit bien. C'est le petit ventilateur sur le moteur. Là. Sur le moteur, j'ai mis un petit ventilo. Alors le moteur, il est froid. Hein. Le moteur, il va bien. Et la voiture, elle est relativement légère. Ouais, le Vario, non, ça va. Alors, il est chaud, mais voilà, je laisse ma main dessus. La dernière fois, il était vraiment, vraiment bouillant. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez, ciao.